Bon, bah, Léa, puisque vous êtes là et que vous voulez parler de Sardou, mais ça ne sera pas Sardou. Vous avez écrit une lettre, vous, justement, à l'enfance. Exactement, Isabelle. Chère enfance, je t'écris cette lettre, même si je sais que tu ne la liras probablement pas. Pas par peur, par mauvaise volonté, mais parce que tu n'as pas encore appris à lire. Je ne veux pas faire les rabat-joie, mais tu es tellement jeune que tu as tellement à apprendre, chère enfance. Parce que être un enfant, c'est quoi? C'est s'ébahir de tout et se demander si ta nouvelle maîtresse sera gentille avec toi. Quoique j'ai des copains de 40 ans qui se demandent exactement la même chose. Mauvais exemple, donc. Être un enfant, c'est avoir tellement de plaisir avec son nouveau jouet qu'on dort avec. Et... Oui, quoique j'ai des copines de 40 ans qui vivent exactement la même chose. Donc toujours mauvais exemple. Être un enfant, mais c'est vivre dangereusement et ne faire ses devoirs qu'au tout dernier moment. Oui, non, quoique je connais une chroniqueuse de 40 ans qui écrit des lettres et qui fait exactement la même chose. En fait, pour un enfant, tout paraît simple. On dit d'ailleurs d'une chose facile à faire que c'est l'enfance de l'art, alors qu'un porcelet, c'est l'enfance du lard. Là encore, ça n'a rien à voir, mais bon, c'était pour la faire. Sinon, chère enfance, un conseil pour ceux qui se tâteraient à grandir et devenir parents un jour. Si vous voulez savoir ce que ça fait d'avoir un enfant, buvez 5 ou 6 Irish Coffee. C'est exactement pareil. Ça te saoule et ça t'empêche de dormir. Et le lendemain, tu regrettes et tu te demandes pourquoi t'as fait ça. Voilà. Il n'en reste pas moins, chère enfance, que tes représentants aujourd'hui sont mis face à des périls très différents de ceux que nous avons connus, notamment à cause des réseaux sociaux. Du coup, je me suis dit que pour les prévenir de ce qui les attend, ce serait pas mal d'adapter les fables de La Fontaine avec des sujets et un langage d'aujourd'hui. Oula. Par exemple, j'ai donc adapté Perrette et le pot au lait, qui est devenu Perrette et le poteau très laid. Voilà. Perrette qui fait un mec grave swagué. Après des heures passées à swiper. Avec lui sur Tinder, ça avait direct matché. Sur le chat, il lui demande une story de ses boobs afin de l'épouser. Elle essaye, supprime, refait 10 vidéos, puis finit par envoyer le sexto. Elle se réjouit, s'imagine le mariage et la foule, ambiancée par Aya Nakamura et Jules. Pendant la nuit... Pendant la nuit de noces, tel un as, il lui mettra un pookie dans le sas. Oh. Dont naîtront deux rejetons, Brandon et Shanna, qu'ils baladeront dans leur nouvelle Audi A3. L'as, sur WhatsApp, elle peut soudain lire « Meuf, check tes réseaux, c'est quoi le délire ?» Car c'est Ince, le FDP avait diffusé. Et sur Twitter, Snap, Insta, Facebook, partout, ses boobs, il avait balancé. Adieu vos vaches cochons, réputation, son image online est ruinée et elle se fait cyber-harceler. Et les trolls n'ont de cesse que de la faire pleurer. Moralité, sur Tinder ou ailleurs, le grand amour n'est pas une fiction, mais jamais il ne subordonne à une photo de ténichon. Voilà. Voilà, je pourrais aussi vous faire l'histoire de Macron et le jaune gilet et de la fable du lobby industriel et du réchauffement climatique, mais il m'en reste pas mal en réserve, donc je resterai sur celle-là. Bref, chère enfance, j'en termine avec cette lettre et je te souhaite de grandir, mais pas trop vite. Profite de chaque instant car on se rend compte que la vie passe trop vite uniquement lorsqu'on ne peut plus la ralentir. Merci beaucoup, Léa.